Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ceci, voilà une belle vidéo crash test parce que j'ai reçu des produits vraiment complètement oufissimes, complètement dingues et un petit peu choc. Donc ce sont des produits asiatiques, regardez comment c'est trop mignon, c'est si bien emballé. Donc apparemment ce sont des rouges à lèvres en poudre et j'ai trouvé ça vraiment trop fun. Je me suis dit mais what, ça existe ça? Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez, si vous connaissiez ça, moi je connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça avec vous pour voir si ça fonctionne, pour voir ce que c'est, pour découvrir un petit peu tout ça ensemble avec vous. Parce que maintenant on fait tout ensemble, je vous vois et vous me voyez. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Let's do it! Oh my god, qu'est-ce que je vais découvrir encore? C'est quoi ce truc complètement bizarre? En tout cas c'est très bien emballé. Donc j'ai reçu deux rouges à lèvres en poudre. Ce sont des produits coréens en fait et j'adore les produits comme ça, les cosmetics coréens. Donc voilà, et j'ai reçu aussi ceci. Donc ça je crois que ce sont des bébés crèmes coréennes. Voilà, ce sont des produits teintés, des crèmes teintées apparemment. Et voilà, ça se présente comme ceci. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, je suis en train de voir un petit peu comment utiliser mes nouveaux éclairages. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et là on va découvrir sur tout ça, c'est trop bien présenté, c'est super bien emballé franchement. Et alors là on a celui-ci, voilà, qui se présente comme ceci, faites voir comment, oh c'est trop mignon, c'est trop cute, c'est trop mignon. Et l'autre qui se présente comme ceci, donc c'est un orange, oh my god, j'ai pris du orange, voilà, comme ceci, et c'est écrit lip powder, donc voilà, pour les lèvres en fait, poudre pour les lèvres, et c'est de la marque Rire, voilà. Oh, j'espère qu'on va rigoler hein. J'espère que c'est vraiment très fun. En tout cas ils ont l'air super mignons. Et je suis plutôt contente des teintes que j'ai prises. Même si j'ai un petit peu peur du orange. Donc j'ai pris la teinte Hot Plum, voilà, 02. Et la teinte Orange Pop, 01. Donc c'est parti, on va voir à quoi ça ressemble. Alors j'ai mis du crayon à lèvres là parce que je trouve que ça ressort très bien en fait quand je mets du rouge à lèvres par dessus. Mais là en fait je sais pas quoi m'attendre. Donc oh c'est trop mignon, regardez comment ça se présente, c'est trop cute. Franchement j'aime trop, c'est trop joli. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, c'est écrit rire ici. Et par contre c'est trop bizarre, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, ouais je pense que vous voyez. En fait là c'est de la poudre à l'intérieur, c'est trop bizarre. Mais sinon c'est très bien présenté. Et le orange, donc l'autre il est comme ceci. Alors par contre c'est écrit en asiatique, ah ouais non ça va, c'est écrit en anglais aussi au niveau des ingrédients mais bon, c'est pas grave. Alors on regarde ici, ah ouais il est trop mignon, waouh c'est trop joli, franchement c'est bizarre mais c'est trop joli en tout cas vu comme ça c'est super cute. Donc ouais j'aime bien aussi les emballages. Donc c'est parti les amis, je sais pas du tout comment on applique ça, je sais pas à quoi ça ressemble. Je vais commencer par le rose, en fait c'est un rose, quand on voit comme ça on dirait que c'est un rouge. Peut-être que c'est un rouge, hein, je sais plus trop ce que j'ai pris. Mais bref, donc c'est parti, on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc on ouvre ceci. Oh, c'est trop bizarre! Regardez, oh, c'est trop space, c'est vraiment trop bizarre. Voilà, ça se présente comme ceci. Et quand j'ai ouvert, il y a eu un petit peu de poudre qui est partie. Oh, j'ai jamais vu un truc comme ça, c'est un truc de dingue, regardez. C'est trop bizarre, donc vous voyez c'est de la poudre. Donc je vais essayer d'appliquer ça sur mes lèvres pour voir un petit peu ce que ça donne parce que j'ai jamais testé ça tout simplement. Donc je cherche un miroir, il est où mon miroir d'amour? Il est là. Voilà mon miroir de chez Sigma. Donc voilà, et puis je vais essayer d'appliquer cette poudre pour voir si ça fonctionne vraiment. Franchement je sais pas du tout. Donc je vais en mettre un petit peu pour commencer. Oh my god c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Alors je vais essayer d'en mettre ici. C'est trop bizarre, en fait on dirait qu'il y a de l'eau aussi. C'est de la poudre et de l'eau. Ça fait trop bizarre. En fait j'ai peur de trop parler parce que quand je vais aspirer la poudre elle va rentrer dans ma bouche, je vais pas comprendre. Mais sinon c'est fun hein. Waouh. Je sens que quand j'aspire en fait il y a de la poudre qui rentre dans ma gorge. C'est trop bizarre, j'espère que je vais pas tomber malade avec ce truc. Mais c'est trop fun. Alors. Alors par contre ce qui est assez... Oh c'est pigmenté! Je regarde dans le retour écran, c'est hyper pigmenté. Alors ouais, c'est hyper pigmenté. Et par contre là je tapote parce que je sais pas en fait si je peux balayer, si je peux, vous savez, faire comme ceci. Parce qu'après je pense que j'en ai partout sur mon top. Ah si c'est bon. Ah c'est trop marrant! Oh! C'est trop bizarre quand même, franchement j'ai jamais vu ça avant. Dites-moi si vous connaissiez, moi j'ai jamais vu ça. J'en ai jamais entendu parler. Oh. Oh là là, c'est trop bizarre. Eh mais c'est quoi ce truc? Oh, franchement par contre ouais la couleur elle ressort hyper bien. Ça c'est plutôt cool. Et ça s'applique plutôt bien hein. C'est juste qu'il faut pas aspirer parce que quand vous aspirez il y a la poudre qui rentre dans, la bouche. Eh c'est trop chelou.
c'est trop marrant les produits coréens comme ça. Et mais franchement, c'est super mignon en tout cas, j'aime trop. Et l'applicateur, il est trop bien. Ça s'applique super super bien, je connaissais pas le rouge à lèvres en poudre. Donc en fait, vous avez beaucoup beaucoup de poudre et un tout petit peu d'eau. Mais ce qui est marrant, c'est que je vois pas l'eau à l'intérieur, c'est trop bizarre. Je vois pas du tout l'eau. Donc je vais en mettre aussi en haut. Voilà. Et bah franchement les amis, j'aime trop, je suis trop étonnée. Moi je pensais vraiment que j'allais pas du tout aimer, je pensais que ça allait être un gros fail. Mais j'aime bien, parce que la couleur elle ressort plutôt bien. Je trouve que c'est très 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 joli, je regarde dans le miroir juste ici. Et je trouve que c'est hyper hyper joli. Donc franchement c'est trop fun ce truc, je connaissais pas du tout. Moi j'adore les trucs pigmentés, je trouve que c'est vraiment le point numéro 1 que doivent avoir les rouges à lèvres tout simplement. Donc là franchement je crois que j'ai jamais vu un truc aussi pigmenté de ma vie. Donc bah ça a l'air plutôt fun et super super cool hein. Franchement j'aime trop. J'aime trop le rendu, j'aime trop le résultat. Donc là c'est le Hot Plum que je porte et c'est vraiment un rouge en fait, c'est pas un rose. Mais quand on regarde comme ça on sait pas trop si c'est rouge ou rose. Mais ouais, c'est exactement la même couleur qu'il y a ici. Et celle-ci en fait. Voilà, donc franchement j'aime trop, j'adore. Je trouve qu'il s'applique très très bien. Après faut bien répartir parce que sinon vous allez avoir un petit peu de poudre partout. Mais le fini il est vraiment très intéressant, il est très joli, il est légèrement mat. Et franchement j'aime trop, franchement j'adore. Donc bah franchement belle découverte, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'avais un petit peu gaspillé mon argent, mais en fait non. Donc là je vais tester l'autre et puis on va voir si c'est le même résultat. Cette fois-ci c'est une teinte orangée. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur du résultat. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas pour celui-ci ouais, gros coup de cœur. Et non, c'est pas en fait, il est vraiment top. Bon, j'ai pas pu résister, je me suis rapprochée pour que vous voyez un petit peu le résultat. Franchement, j'aime trop trop trop. C'est trop fun ça, franchement c'est un bijou. Donc regardez, je vous montre un petit peu de plus près. C'est clairement de la poudre, mais il y a une petite touche de d'eau en fait, tout simplement. Après, vous voyez, c'est poudreux puisque c'est de la poudre. Hein. Mais franchement, c'est pas mal et j'aime trop 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 le résultat. Donc voilà, oh, franchement je pensais pas mais honnêtement j'adore. Donc là on va passer au orange, là j'ai un petit peu peur mais on va voir un petit peu le résultat. Donc c'est parti. Oh my god, j'ai lutté pour enlever le rouge à lèvres de tout à l'heure. Donc cette fois-ci on va passer au orange comme je vous ai dit. Donc alors c'est parti, j'ouvre, voilà je vous montre à quoi ça ressemble. C'est comme ceci, vous voyez. Et il y a la poudre. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu, c'est vraiment très très space. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc c'est parti. Oh là là, il y a beaucoup de poudre. Ah, c'est trop marrant. En fait, c'est un entonnoir, c'est trop bizarre. Donc c'est parti. C'est comme un entonnoir, quoi. Je sais pas comment on dit. Donc voilà, en tout cas, j'applique ça. Bon, pour l'instant, j'aime bien la couleur, mais j'espère que je vais pas avoir des lèvres hyper, hyper oranges. Eh, mais c'est trop fun. Bon, après, il n'y a pas d'odeur. Et il y a de la poudre qui rentre dans ma gorge à chaque fois. Ça c'est horrible par contre. Ça, non, ça je peux pas. Mais sinon voilà. Faut bien répartir. Ça se répartit plutôt bien. Après faut bien prendre son temps, faut bien le faire. Parce que sinon vous allez avoir des endroits où c'est plus orange que d'autres, vous voyez. Mais franchement je suis impressionnée, je m'attendais pas du tout à ça hein. Franchement c'est trop bien les produits comme ça, c'est hyper hyper bien. C'est trop fun je trouve. Et c'est assez rigolo. Donc voilà. Tout à l'heure j'ai galéré pour enlever l'autre. J'espère que pour celui-ci ça va aller parce que j'ai pas envie de me trimballer avec des lèvres oranges toute la journée. Waouh, en tout cas ça ressort super super bien. Je suis impressionnée. Et c'est drôle parce que le orange il se voit moins que le rouge. Ah si en fait, oh my god. En fait je regarde dans le miroir et je vois pas trop que ça ressort. Mais en fait dans le retour écran oui ça se voit très très bien. À la caméra ça se voit hyper hyper bien. Voilà. Mais c'est quoi ce truc, franchement, c'est quoi ce truc de dingue? C'est trop marrant les produits coréens, j'avais jamais vu ça. Du rouge à lèvres en poudre, ça faut le faire. Voilà les amis ce que ça donne. Donc franchement j'aime trop le résultat, je trouve que c'est vraiment très joli. Ça ressort drôlement bien à la caméra, c'est un truc de dingue. En vrai c'est légèrement plus soft, donc je pense que vous pouvez sortir avec. Franchement ouais, il n'y a pas de souci, vous pouvez sortir avec. Mais à la caméra ça ressort grave, je sais pas pourquoi. En tout cas voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. J'adore la couleur, je trouve ça trop marrant les produits coréens comme ça, c'est hyper hyper fun. Et c'est trop beau, franchement c'est trop beau. Donc je vais vous les montrer de plus près. Et franchement moi, gros pouce vers le haut, ce sera un gros pouce vers le haut pour moi. J'ai vraiment adoré, je pensais vraiment que ça allait être un fail, mais en fait non, ce sont des produits vraiment trop cool. Ce sont des produits en poudre, des rouges à lèvres en poudre comme je vous l'ai dit. Mais ils sont trop bien quoi, en fait ils sont vraiment trop trop bien. Donc très belle découverte pour les produits coréens, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà.
Vraiment, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez découvert des choses vraiment très intéressantes. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut si vous avez adoré découvrir ces produits vraiment très, très, très bizarres, mais très fun. Franchement, ça m'a fait beaucoup rigoler. J'ai trouvé ça hyper, hyper fun. Donc j'espère que vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la team Snap Chic. Voilà, abonnez-vous, c'est parti. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Donc c'est juste en bas à côté de s'abonner. Comme ça, vous allez rien rater de toutes mes nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que je vous aime très fort. Merci de vous abonner. À chaque fois, je vous aime de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah, ça pique. Ah, ça pique trop.